Salut les potes, j'espère que vous avez la forme. On m'aurait dit que je verrais ça un jour, le logo de Sony là sur PC. Ça fait vraiment bizarre. Ce qui fait encore plus bizarre, c'est ça les potes, de jouer avec la manette Xbox Series à God of War. Donc oui, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui on va jouer à God of War version PC, le GOTY actuel sur PC, parce qu'honnêtement, sur Steam, les ventes ont littéralement explosé. Donc je pense que Sony est au courant que ces jeux ont du succès, même s'il n'avait pas besoin du PC pour le savoir, hein. Les ventes par palette des PS4 et PS5 le prouvent. Donc on se retrouve pour une fois un vendredi, pas pour un petit jeu, c'est le cas de le dire, hein, mais pour un gros triple A, pas des moindres, God of War. En attendant le prochain, en attendant God of War Ragnarok. Donc, désolé pour mercredi, il n'y avait pas eu de vidéo, il y avait déjà le live à gérer. Normalement, le mercredi, j'essaye de faire un jeu pour les enfants, un jeu pour les plus jeunes. Là, il n'y en avait pas eu. C'est reporté à mercredi prochain, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le God of War version PC. Donc, j'ai déjà fait une capture qui n'était pas assez bien à mon goût, donc je refais tout, j'espère pouvoir uploader ça à temps. Donc, les potes, on va découvrir pourquoi God of War sur PC c'est bien. Déjà, si vous n'avez pas de console Sony, si vous n'êtes pas de l'univers de Sony, ben vous allez découvrir pourquoi c'est bien God of War sur PC. Donc, les potes, on va découvrir ça ensemble tout de suite et juste après ça, c'est parti! Donc, comme d'habitude, on se retrouve dans les paramètres. Avoir l'avantage de la version PC, c'est pouvoir tout simplement se lâcher sur les graphismes. Regardez, hein, là, avec la 3080, les potes, je pense qu'on est bien. Ultra, sans se poser de questions. Regardez, j'ai encore de la VRAM en RAB. Tout va bien. J'espère juste que, au niveau de la capture du jeu, ça va pas laguer parce que je fais tout sur la même bécane, sur le même PC. Au niveau de l'affichage, on va être en 1440p. Mais alors, vraiment tout à fond. Sauf que, peut-être que je vais mettre au niveau des FPS pour pas avoir de soucis de lag à 60 FPS. Et la capture sera en 1440p, 60 FPS. Je vais essayer d'uploader ça, que vous puissiez voir à quel point c'est vraiment bien. En 1440p, vous verrez déjà les détails. Et ça, un jeu sur lequel vous avez le DLSS. Donc, si vous avez une carte graphique Nvidia, ça sert. Et vous avez aussi Fidelity FX Super Résolution, qui est la même techno, mais du côté de chez AMD. On va se l'avouer, le DLSS est meilleur parce que c'est la troisième génération, je crois, le DLSS. La techno d'AMD est plus récente. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet, le DLSS, Fidelity FX, etc. Je vous mets un petit lien en haut à droite. Donc, si vous voulez savoir à quoi ça sert, pourquoi c'est bien qu'il y ait ça sur les consoles, parce qu'il y a ça aussi sur les consoles, et là, en l'occurrence, sur le PC. Voilà, vous regardez la petite vidéo, je mets le petit lien en haut à droite. Donc, on va commencer. N'oubliez pas, comme j'oublie des fois de le dire, si vous passez par là, vu que vous ne connaissiez pas la chaîne, ben, bienvenue sur Marco Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, tout ça, le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Vous connaissez la musique. Au lieu de continuer, je vais plutôt refaire une nouvelle partie. J'avais bien, vraiment bien aimé le gameplay que j'avais fait. Et ça saccade un peu. On va choisir une expérience équilibrée. Le jeu est vraiment magnifique. Déjà que sur PS4, on s'était pris une claque. Quand il y a eu l'upgrade graphique sur PS5, qu'on puisse y jouer en 4K, etc. Encore une autre claque. Et là, sur PC, les potes. Mais là, on se prend des grosses gifles, là, des patates de forain. Honnêtement, le jeu est beau. Et comme je vous disais, si vous connaissez pas ce jeu, enfin, déjà, je comprends pas, mais bon, c'est possible. Et si vous n'êtes pas du monde de Sony, alors on va couper cette arme hein, pendant qu'on discute tranquille. Ouais, c'est Kratos, il peut faire plusieurs trucs en même temps. Si vous connaissez pas ce jeu, ben c'est le genre de jeu comme Uncharted, etc. C'est le genre de jeu qu'on appelle des system sellers qui font vendre des consoles par palette entière.
voulez savoir pourquoi des consoles qui sont en rupture, hein, pénurie, etc. Mais ce genre de jeu, quand vous dites à quelqu'un, ben, si tu veux y jouer, ben, il faut cette console, ben, voilà. Mais là, il est sur PC, donc vous n'avez pas à vous poser la question, si vous n'avez pas la PS4 ni la PS5, faites-vous plaisir. Il faut quand même avoir le matos, parce que le jeu, quand même, demande une configuration assez solide. Donc, on va faire vraiment un petit gameplay. Honnêtement, les potes, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir. Ce sera pas une demi-heure. C'est pour ce que je vais vous montrer, c'est impossible. Alors que ce soit la musique, tout dans ce jeu. Donc le Ragnarok voilà, sortira sur PS5 et PlayStation 4. Parce qu'ils peuvent pas se priver du parc de consoles déjà installées, imaginez. Se dire non, on va faire que sur PS5. Mais comme vous voyez la qualité des graphismes ici, qui sont très proches, hein, mais vraiment très proches de ce qu'il y a sur PS4, et encore plus proche de la PS5, mais pour une PS4, c'était quand même déjà pas mal. Donc imaginez quand ils vont se concentrer uniquement sur la PlayStation 5, avec des vrais exclus qui ne seront pas sur PS4, là, ça va être quelque chose de fou. Donc ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que en même temps c'est un jeu d'action, en même temps c'est un jeu contemplatif parce que les graphismes sont magnifiques. Donc il a coupé un arbre comme ça, et il le porte comme ça sur l'épaule, l'air de rien. C'est Kratos quoi. Donc ce jeu, vous pouvez le trouver, je crois, sur Steam et l'Epic Game Store. C'est là que j'ai pris. Pour une cinquantaine d'euros. Si je ne me trompe pas, c'est une cinquantaine d'euros. Et honnêtement, dans ce jeu, que ce soit les effets de particules, etc., c'est juste magnifique. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. L'intro sous forme de générique, avec le nom des devs, etc., de l'équipe qui défile. On est vraiment dedans. J'ai hésité à le faire en live. Live, découverte live sur le jeu. J'aurais pu. Là, je préfère le faire en vidéo. Et demain, samedi, on se retrouvera pour la partie 10 du Let's Play de Persona 5 Strikers. On a bien avancé. On s'était un peu paumé la dernière fois. Coucou à Joël qui s'y regarde la vidéo parce qu'il était là lors du Let's Play où je me suis complètement paumé. Et il fallait tout simplement faire un simple saut pour me débloquer, pour aller dans un endroit qui me paraissait inaccessible. Persona 5, un jeu que j'adore. Et là, ça change. Hein. De JRPG, on passe à God of War avec Kratos. Moins subtil. Mais très efficace. C'était le dernier. Donc c'est le premier acte du chapitre qui s'appelle Les Arbres Marqués. Alors moi je regarde la qualité de tout ce qui est fourrure, le cuir, les lanières qui sont sur lui, tout ça là c'est vraiment très détaillé. Alors pourquoi je pense qu'on fera plus d'une demi-heure de gameplay, parce que tout simplement, regardez, hein, il y a des scènes comme ça, il y en a plein, où le jeu il prend son temps pour poser un peu l'histoire, voilà, etc. Donc forcément c'est un peu plus long. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent.
les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Avec la musique, l'ambiance est là. Franchement, c'est vraiment bien fait. Alors lui, dès qu'il arrive, il en impose. La musique est magnifique. Elle est prête. J'ai pas beaucoup avancé sur la version PS4, mais j'en sais assez pour savoir vers où je vais vous emmener sur la découverte de ce jeu si vous ne connaissez pas. Je vais garder vraiment la vidéo en 1440p et j'espère que ce sera fluide. Tu es libre. Ça, l'émotion, tout ça. Alors, ce que vous voyez là, les petits effets de les petites étincelles, tout ça, les effets de particules. Je peux vous dire que le PC, il chauffe quand même un peu. Je parle de la paroi, hein, parce qu'au niveau du processeur, ça va. La paroi, c'est plus la carte graphique. On est pourtant comme 1440p. Mais j'ai hâte de voir si je peux comparer. Enfin, je vais comparer tout simplement. Sur la télé en 4K. C'était le sien. Voir comment ça passe. Il est à toi maintenant. Parce que sur PS5, je ne sais plus si c'est du upscaling ou si c'est les textures. Je crois que c'est des textures. Enfin, les télécharger un pack de textures. Bah, je crois. Oui, un peu. Montre-moi. Donc, quoi qu'il en soit, ce jeu est vraiment magnifique. Vous avez un PC capable de le faire tourner. Allez-y. Honnêtement, allez-y. Assurez-vous quand même que vous pouvez le faire tourner parce que c'est du costaud, hein, les potes. Donc, habituellement, petit jeu le vendredi. Là, on s'est lâché. Gros triple A qui tâche. Regardez-moi ça. On dirait qu'il va sortir de mon écran. C'est vraiment bien fait. Un travail sur les différents plans, etc. Juste magnifique. Où ça? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Donc, on accompagne Atreus. Suis ça, ok, on va l'apprendre à chasser. Il a pris le couteau, c'était l'ancien couteau de sa mère. Pourquoi on fait ça maintenant? Et je dois t'assurer que tu peux survivre au voyage. On va lui apprendre à s'en servir. Ça dépendra de toi. Allez. Donc, c'est un jeu d'action, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un jeu où il faut explorer. Il y a des choses à trouver. Alors, j'avais vu un passage là-bas. Et... Je croyais qu'on allait à la chasse. Alors oui, on va à la chasse, mais on va voir s'il y a des choses à trouver. Alors, plus tard dans le jeu, je crois que c'est après notre premier affrontement, on pourra courir. Là, j'ai beau cliquer sur le stick de gauche. C'est pas vraiment une course là, c'est. Mais plutôt tranquille. Alors on regarde toujours. Qu'as-tu un peu. À droite, à gauche. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Voilà, toujours de l'argent à trouver. Parce que après on peut acheter. Pour acheter des choses, hein. N'oubliez pas que. Enfin, vous le savez peut-être pas. Attends. Tu as raté celle-là. A vu les traces, le petit a raté tout ça. Mais c'est pas un cerf. Tu vois, le bout est trop large. Une chèvre sauvage peut-être.
Ta mère t'a bien appris. Oui. Alors, on va continuer, regardez par ici là. On a failli passer à côté. Donc je disais, on a de l'argent parce qu'on va pouvoir augmenter ben, tout notre stuff, hein, ce qui est sur l'eau. Même notre arme, la hache que vous voyez. Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore m'en servir. Je vais voir ce qui nous attend. On va dans là, je pense. Allez, on va avancer. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula. Et maintenant? Pister né, ce gamin. Elle va savoir si c'est... Hop. Si c'est un cerf, etc. Attends. Si c'est un sanglier. Elles sont fraîches. Par ici. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Oui, patience, petit bonhomme. Donc il est assez sévère hein, avec son fils Kratos. Inutile d'avoir fait les autres God of War pour faire celui-là. Donc si vous connaissez pas l'univers, bah, déjà bon ça va être la claque parce que comme découverte vous commencez assez fort quand même. Il a cassé le pont. Si vous allez vraiment découvrir un univers, écarte-toi. Voilà quoi. Donc la première fois qu'on se sert de sa hache, voilà. Hop. Wow. Et c'est comme le marteau de Thor, hein, suffit de le rappeler. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop. Le voilà. Attends. Et il ne nous écoute pas. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois. Oh, il se fait engueuler. Trouve-le. Ah non, elle est confisquée. Et non, mais. Trouve-le. Bien sa tête, il a le seum, le gamin. Ben oui. T'as qu'à écouter. Écoute le daron. Ah ben là c'est scripté, je voulais aller à gauche. Ah l'esquive avec A. Aussi l'envoyer. Ensuite en mode reviens par là. Ah, je croyais les avoir tous tués, mais non. On peut aussi bloquer les coups. Hop. Et encore c'est synchro, ça étourdit l'ennemi. Et là on peut se fouler. Hein. Voilà, on a gagné de l'XP. Ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Avance. Donc pour voir le bestiaire de tous les ennemis qu'on affronte hein, à chaque fois, il y a un journal ou il y a un codex où ils sont répertoriés. Et là, vous allez voir, voilà, avec l'armure, on peut déjà changer. Vous voyez, ça augmente notre force
On a déjà des meilleures pièces que ce qu'on a déjà sur nous, que ce qu'on porte. Sur la nouvelle pièce qu'on vient de mettre, on a un emplacement où si on fait X, voilà, on a un symbole qui augmente notre défense de 2 points. Voilà, un glyphe. Et toutes les pièces comme ça de notre armure, voilà, on peut looter. On a aussi des points pour augmenter enfin notre arbre de compétences. Là aussi, un gantelet, vous voyez, hein, par rapport à ce qu'on avait avant. On peut, je crois qu'on peut, on peut comparer. On peut comparer, ça augmente notre force, notre défense, la chance aussi. Pareil, on a un emplacement pour pouvoir mettre quelque chose, mais on n'a rien. On va faire comme ça toutes les pièces. On a à peine commencé le jeu. Et pour tout vous dire, comme j'avais débloqué ça avant, je ne sais pas si ça date de maintenant ou pas, mais j'avais déjà équipé. On voit que notre bouclier. Mais c'est que du cosmétique là, puisque on voit, on n'a pas de stats qui changent. Au niveau de l'armure, on va passer. On peut pas passer encore à Atreus. Ouais, il est grisé. Mais on pourra aussi changer son arc, ce qu'il porte, etc. C'est vraiment bien foutu. Ça nous donne de la vie. On sait que, je sais que dans le coin, le cerf est par là. Je même pense si qu'il le faut cerf n'est l'éteindre. pas est par là, comme il dit, Sinon. il y a toujours des coffres, des choses à looter, des choses à prendre. N'oubliez pas l'exploration. Même dans des jeux d'action de ce genre, c'est vrai qu'il y a des jeux, bon, ben, c'est du tout droit, mais il y a aussi des jeux où il faut pas oublier d'explorer. Il y a aussi ce genre de coffre avec des inscriptions dessus. Il faut Je crois juste qu'on n'en connaît pas. trouver dans le décor ce qui correspond aux inscriptions, vous voyez là, et détruire. Chose ici. Je sais pas si toutes les petites jarres là sont descriptives. Et vous voyez que le coffre est maintenant accessible. C'est un coffre un peu différent des autres. Et on a des sous. Et là, c'est une pomme. Non, c'est pas des sous. C'est une pomme légendaire. Si on en a trois comme ça augmente la capacité maximale de notre barre d'énergie. Il y a de quoi faire dans ce jeu, hein. Vraiment. Et je vous dis que là, par rapport à ce que je vous montrais, les potes, par rapport à ce que je vais vous montrer, je pense que la demi-heure ne va pas suffire. Notre cerf là, on le suit. Il est entré dans le vieux temple, mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Oh, il est honnête, il sait qu'il pourra pas atteindre le cerf de d'où ils sont. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Ah, on entend des bruits. Drogueur! Oh, ça, ce sont des ennemis avec des jauges. Enfin, de toute façon, tous les ennemis ont des jauges. Ça, on voit un peu. Les affronter. À main nue, on y va. Derrière toi!
esquiver là. Ah, j'ai esquivé à temps là. Les XP, les petits trucs verts là comme ça pour l'énergie. Vous allez voir, il y a plusieurs astuces comme ça quand vous avez des portes à passer. On va tirer sur la chaîne, mais quand on relâche, donc il va falloir bloquer le mécanisme. Voilà, on voit hein, les roues crantées. Hop. Et voilà. Donc vous voyez à droite, il y avait le petit logo d'Atreus. Je vais reculer pour que vous voyez, hein, si on le voit encore. Donc ça disparaît. Parce qu'Atreus pourra participer au combat. Voilà, on voit le logo là, en bas à droite. Là pour l'instant, il n'est pas disponible. Mais il pourra envoyer des flèches sur les ennemis. Où est-ce que tu vas ? Je crois qu'il est parti par là. Ce sera d'ailleurs assez efficace hein, parce que ça va nous servir à interrompre les ennemis lorsqu'ils vont essayer de faire des attaques. Il n'en a plus l'utilité, nous aussi. Ben oui, ça. Et là. Père, regarde. Attends mon signal. Alors, plein de petites scènes comme ça, mais qui servent l'histoire. C'est un animal. Et c'est assez bien fait. Vie de ton esprit. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. J'ai visé à peu près au coup, parce que je me demande si la flèche atterrit toujours au même endroit, mais vu que c'est scripté, je pense que c'est le cas. D'ailleurs, oui, la flèche va toujours au même endroit. Ton couteau. C'est normal, hein. Non, finis ce que tu as commencé. Voilà. Les premières petites leçons de vie. Sauf que là, il va falloir tuer un cerf quand même. Le petit gamin. J'y arrive pas. Assez bien foutu. Honnêtement, ce jeu, c'est... Mais comme là, je vous dis, la demi-heure de gameplay, ça va pas suffire. C'est pas le jeu que vous allez lancer comme ça. Je vais vous dire, je vais juste jouer un petit peu avant d'aller au taf. avant d'aller au cours. Parce que vous allez oublier le temps. Le petit n'est pas bien, il est même pas capable de montrer un petit geste de tendresse, quoi. Parce que, ben, c'est Kratos. C'est... Pas de sentimentalisme avec Kratos. Ah! Premier affrontement. Il est costaud, regardez comment il tient un cerf dans sa main. On va vraiment le combattre. On n'a pas le choix. Pas le choix. Il faut vaincre le troll. Et regardez-moi cette masse. Et ça y est, Atreus va pouvoir nous aider avec son arc. On peut choisir un ennemi spécifique à viser, mais là, il n'y a que lui. Hop là. Hop là. Regarde.
On va presque la voir là. Aïe aïe aïe. On a pris cher là. Je crois qu'on a vu un truc d'énergie pas loin. Même si on est près de le tuer, on va être prudent. Et là, on va le déboîter. Donc oui, c'est quand même violent. Peggy 18 quand même. Atreus. Comment ça, regardez comment c'est bien foutu, les lacérations. Même la peau qui s'ouvre, mais c'est plein Atreus, de petits détails. Regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus. Regarde-moi. Calme-toi, garçon. Tu n'es pas prêt. Ah, elle se laisse emporter par ses émotions. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas. Tu n'es pas prêt, fiston. Prêt à quoi? On ne sait pas trop. Juste magnifique. De pouvoir permettre aux joueurs qui n'ont pas de console de jouer à ce jeu. Très bonne idée. Sony a pu voir le succès de ces jeux quand ils sont portés sur PC. Déjà, ça a été le cas quand c'était Horizon Zero Dawn. Donc là, encore plus. Et bientôt Uncharted. Ce sera le cas pour l'Uncharted. Hein. Donc, jauge d'étourdissement au niveau des ennemis. Donc, on frappe les ennemis. Et puis, à un moment, ils seront étourdis. Et là, on pourra les terminer avec style. Non, c'est mieux de le viser pour ça. Bon, lui pour la jauge, on n'aura pas le temps de l'étourdir. Il était trop abîmé. Lui, c'est tout neuf. Lui, il n'était pas assez résistant. Faut dire qu'on a, c'est vrai qu'on a la protection qui est plus puissante, etc. Au niveau de l'arme, je sais plus, mais on n'a même pas eu le temps de faire un finish en fait. Toujours pas ouvrir les portes, hein. Silence. Le silence, comment il sonnait en mode ta gueule. Parce que Kratos ne sait pas ouvrir les portes en mode. Regardez, donc. Faut vraiment faire attention au décor hein, pendant les affrontements parce que tout ça c'est pour redonner de l'énergie. Mine de rien. Des choses en dessous comme ça. De l'argent. Mais tout n'est pas destructible. Ah, des tout neufs. Ce coup-ci on va y aller au point. Hop, voilà, tu nous as énervé. On t'écarte la gueule. Toi aussi, viens par là. Voilà. C'est quoi ce jeu?
Oh là là. Puis selon l'ennemi. Oh. Et ben voilà. Le finish change. Je t'avais bien dit que la forêt était différente. Vachement bien fait. Et je t'ai dit de te taire. Il m'écoute pas, hein. Alors déjà notre hache était dans le coin là-bas. Donc, on est revenu pourquoi un troll de feu à la maison. Le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Il est saoulant avec ses questions, lui. On est presque à la maison. Allez, rentre. Regardez le bois, les gravures, tout ça. Moi, je fais attention à ces petits détails-là. Et je peux vous dire que sur un écran. Ah, c'est un écran 24 pouces que j'ai. Honnêtement, plus l'écran est petit, plus au niveau des pixels se resserrer, plus vous voyez les détails. Vraiment. Mais là, sur une télé 4K, je pense que là, avec le HDR et compagnie, parce que je crois qu'il y a le HDR dans le jeu, ça doit être magnifique. Un petit coup de DLSS si vous avez du mal à avoir le nombre de FPS qu'il faut. N'oubliez pas le DLSS. Et si vous avez une carte Nvidia ou Fidelity FX, hein, si vous avez la carte AMD. La petite vidéo sur le sujet. J'avais testé ça sur... Je sais même plus sur quel jeu j'avais testé ça. Mais il y a de plus en plus de jeux qui ont le DLSS. Justement. Donc, c'est vraiment pas mal. Oh, je trouve que c'est bien parfois d'expliquer ce genre de choses parce que c'est bien de savoir qu'on a cette technologie à disposition sur console ou sur PC. Mais c'est encore mieux de savoir à quoi ça sert, etc. J'avais testé ça sur Red Dead Redemption. C'est ça. Tu t'es laissé emporter. Avec DLSS, sans DLSS, etc. On voit les différences. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Il n'arrête pas de répéter ça, donc apparemment c'est un enfant assez fragile, hein, qui est souvent malade. Je vous résume l'histoire parce que c'est alors, pas vas-y. Tout le monde qui connaît. Si vous connaissez, je vous raconte ça, vous vous saoulez, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui connaissent pas. Qui sont pas du tout l'univers de Sony. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore. Et fais encore emporter. Alors tout d'un coup, on change de lumière. Et je trouve que là, ils ressortent un peu plus encore quand l'écran est un peu sombre comme ça. Cette vous voyez là, les détails. On peut lui compter les poils de barbe carrément. La fourrure sur le petit. Le cuir sur Kratos. Et toi, Atreus? Tu es loin d'être prêt. Les détails, vraiment. C'est quoi ça? Silence. On est à peu près déjà dans la demi-heure de gameplay. Sors de là! Qui est-ce qui nous parle comme ça? Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous! Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. C'est pas le moment de poser des questions, va sous le plancher. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang! Il a l'air assez sûr de lui. Et pourtant, petit bonhomme, limite un corps de lâche, et vous allez voir. Je te voyais un peu. Il va nous donner du fil à retordre. Mais oui, j'ai spoilé. C'est bien toi. Apparemment un Celte, hein, regardez les. Tu es bien loin de chez toi. Ce qu'il y a sur lui là au niveau des écritures. Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant.
Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Oh là là. Ils nous cherchent. Ils ne respectent pas les poteaux. Je sens qu'il a la dalle, il veut du pain. On va lui en donner. Oh là 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 là. Mais mec. Comment il est calme? Comment il est calme? C'est stylé. Il ne cède pas à la colère. Et lui le provoque et le provoque encore. Et à un moment, Kratos. On dirait qu'il attendait ça. Kratos lui dit. Tu aurais dû écouter. T'aurais dû écouter. Là maintenant que je suis en colère, même si tu essaies de t'enfuir, c'est trop tard, poteau. C'est trop tard. Tu vas manger du pain. Il y aura un peu de tout. Et regardez-moi ça. Et nos amis, juste une... Regarde. Les poteaux, mais c'est qui ce mec? Premier affrontement. Par rapport au troll de tout à l'heure. Le troll, mais c'était de la gnagnotte. Allez, amène-toi. Tiens. Voilà. Et maintenant, on peut courir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Elle nous fait encore des signes. Genre, je m'ennuie, il dit. Aïe, 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 ça nous a fait. En lumière, hein. Il mange, hein. Ouais, mais ça, il prend cher, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on prend cher? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'is? Il est un peu curieux. Il sait qu'il y a notre fils à l'intérieur. Sauf que voilà quoi. Regardez comment ça devient de plus en plus rouge. Et il en a encore sous le pied. Et regardez-moi ça. En plus, le point de vue change. J'ai touché un point sensible, on dirait. Et il nous cherche. Eh bien, regardez. Hop, tiens, un petit tronc. Comment c'est bien foutu. Dans les God of War, si vous n'avez pas fait les autres, les combats sont toujours comme ça. C'est épique. Il nous traite de vieux. Regardez ses blessures. Il guérit. Bien. Et reprendre l'énergie. Nous, on est tout ratatiné. Il veut du rab. Et il tape fort en plus, ce petit enfoiré. Tu refuses de parler? Mais regardez. Si on était d'augmenter là au niveau de notre barre d'énergie. En vase lunaire. On va lui montrer qui est Kratos. Tiens déjà. Voilà. Un arbre. Un arbre. C'est qui tu penses? Enfin, beaucoup plus fort maintenant. Il est vénère. Il s'ennuie toujours, mais tiens. Hop là, on esquive.
Hop là, ça faut vraiment l'esquiver. On esquive ça. Pas le temps pour ça. Bien parer quand il faut parer. Et il se marre, on est en train de lui mettre de la raclée, il se marre. Oh là là là. Regardez-moi ça. Oh là là là. C'est un sac de frappe. On a une petite idée. Il y a du gros caillou de côté. Ce jeu. Ah, c'est de la folie. Regardez-moi ça. Boum. Ah là 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 là. C'est vraiment... Mais on a pris cher. Regardez-moi ça. Il est carrément couvert de sang. C'est pas que le sien, mais quand même. Donc on se dit, il est temps de s'en aller. Hein. On va peut-être aller faire un petit somme parce que là, nous a bien... Et il est pas mort, les potes. Les potes, il est pas mort. C'est un truc de fou. Quand Odin m'a envoyé ici, je voulais simplement me dire. Ah, c'est Odin qui l'a envoyé. Il a fallu que tu fasses le malin. Tu viens de frapper autant, petit nain. Je reviendrai. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je l'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Mais s'il dit qu'il ressent rien. Il ressent pas la douleur, il guérit tout seul, il est invincible en gros. Comment on va s'en débarrasser? Et il prend cher, mais... Qu'importe. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, regardez comment c'est bien foutu. Est-ce qu'on peut sauter ou pas? Non, on peut pas sauter. Je suis invulnérable. Ah, c'est le cas, il est invulnérable. Tu as perdu d'avance. Mais les potes, c'est Kratos. On aurait pu éviter tout ça. C'est le dieu de la guerre, Kratos. Non, c'est pas Arès, c'est lui, Magi. Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Ah, il commence vraiment à nous. Hein. Allez, Kratos, il guérit lui aussi, Kratos. Je ne suis pas comme mon frère. Des paroles assez énigmatiques, on sait pas qui c'est. Moi, je sais pas qui c'est. Allez. Il ne peut pas me battre. Oh là 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 là. Je sais qu'il faut sauter. Bah, tu sens rien, mais tu prends le cher. Non! Ah, je prends cher là, c'est pas bon du tout ça. Pas d'énergie dans le coin, rien du tout. Je vais t'achever. C'est chaud là. Il ne peut pas me battre.
Il commence à faire un peu la même chose là. Oh, c'est énervé. On s'énerve là. Ça ne sert à rien. Comme tout à l'heure. Mais il est tellement fort là. Mais de justesse, hein. Parce qu'honnêtement, vu notre énergie là, ce qui nous restait, il continue à se battre. Il y a du sang de partout. C'est option ketchup, les potes. Il sent rien. Ben, si tu sens rien, autant en finir. Et c'est moi qui vais devoir l'achever. Et crac. Il y a souvent des moments comme ça où pour achever un ennemi, c'est vous qui allez devoir appuyer sur les deux sticks. Il y avait un affrontement comme ça, je crois, dans God of War 3. Enfin bref, les autres, si vous avez l'occasion de les faire, allez-y. C'est que du bon. On a explosé notre demi-heure de gameplay. Je voulais à tout prix vous montrer cet affrontement parce que ça commence fort et c'est que le prologue. Le jeu a pour ainsi dire pas commencé du tout. Qui était-ce? Voilà. On se pose des questions en partant. Est-ce qu'ils connaissaient mon passé? Forcément. Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? On prend notre hache au passage. Il a pris cher, hein. Alors on se soigne un peu, même beaucoup, parce qu'il a la faculté de se soigner. On voit qu'il y a un peu moins de sang sur lui. Les potes, on va s'arrêter là. Vous voyez, hein, toujours les choses en progresse, etc. Avec tout ça, on va devoir gérer notre équipement. Ce jeu, c'est... Il n'y a pas de mots, honnêtement, les God of War. Je suis vraiment content qu'ils le proposent sur PC. Il y a des joueurs PlayStation qui sont pas contents qu'il y ait des jeux qui sortent sur PC, les jeux Sony qui sortent... Non. Moi, je suis pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent les jeux Sony, même si c'est sur PC. Et si ça peut... convaincre certains, soit parce qu'ils l'ont vu tourner sur PC, etc., à prendre une console Sony, parce que c'est pas le même prix, hein, de faire un PC qui est capable de faire tourner ce jeu bien comme il faut, et la console, c'est vraiment pas le même prix. Donc si ça peut convaincre certains de s'acheter une console Sony, ben pourquoi pas. Donc moi, je suis très content qu'ils proposent des jeux de ce genre sur PC. Voilà les potes, c'était God of War, la version PC, le dernier GOTY en date, hein, les chiffres de Steam le prouve parce que ça a explosé au niveau des ventes. J'étais très content de vous proposer ce petit gameplay comme jeu du vendredi, parce que le vendredi normalement c'est un petit jeu, là c'est un gros triple A. Mercredi il n'y avait pas de vidéo, j'espère que je me suis fait pardonner avec cette vidéo là, parce que là mine de rien c'est un gros jeu. Je vous donne rendez-vous demain parce qu'il y a le live, le let's play partie 10 déjà sur Persona 5 Strikers. On a bien avancé. La dernière partie, je m'étais bien perdu à un moment. Joël, spécial dédicace à toi, Joël qui était là, un abonné qui vient régulièrement sur les lives. Il a vu, même lui, il était plié parce que, honnêtement, à un moment, juste un saut à faire pour me sortir de... J'étais vraiment perdu, juste un petit saut. Et puis bon, on a perdu beaucoup de temps. Je m'en suis sorti. Et là, pour la partie 10, on va continuer dans le jeu. Persona 5 Strikers, un bon petit jeu. Si vous ne connaissez pas, mais faites un tour. Passez faire un petit coucou demain. Le live commence à 18h. J'essaie de faire au moins minimum 2h30. Donc je vous donne rendez-vous samedi pour le live, pour le let's play partie 10 de Persona 5. Et puis pour les autres, bon week-end. On se retrouvera lundi pour un autre jeu. Peut-être Sifu, je ne sais pas. Peut-être pas, on verra bien. Donc les potes, d'ici là, jouez bien. À demain si vous voulez passer faire un coup.
Allez, ciao les potes!